Nous sommes à Valenciennes. Si je vous dis Cover Gold, vous comprendrez pourquoi le terme plus tard. Candice Paris, bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Qui suis-je? Alors, je suis une femme. Ouais, je suis, je suis chanteuse. Ouais. Et je suis passionnée de musique et de scène, de live. D'accord. Ça a commencé à 6 ans, c'est ça? Tout à fait. Malentendu avec la prof, qui te demande une petite chanson. Exactement. Sauf que toi, tu vas plus loin, tu fais une compo. Voilà, exactement. Donc la prof qui me demande de venir à l'école en ayant composé quelque chose. Sauf que j'avais mal compris. En fait, il fallait apporter une chanson si on en avait. Et donc, du coup, je me suis... Elle a aimé la compo? Alors, elle a aimé. Oui. Elle a beaucoup aimé. Après, on l'a même chantée au spectacle de fin d'année avec toute la chorale derrière et moi en solo devant. Ouais. American School, un petit peu plus tard. Exactement. Pourquoi American School? Parce que ma mère a eu la très très bonne idée en fait de se dire que ça pourrait nous servir pour le futur. Et elle s'est dit, je vais les mettre à l'école américaine. Et en effet, du coup, mon frère travaille dans le monde anglo-saxon. Moi aussi, lui vit à Londres. Donc, elle a eu talent. C'est un avantage, vraiment. Oui, vraiment. Confirme. Oui, vraiment, parce que j'ai même c'est une anecdote liée à ça que je vous raconterai plus tard. Donc, Vas-y maintenant. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, j'avais donc mon agent à Londres qui m'appelle pour passer ma première audition pour un spectacle français, la blague, donc pour Notre-Dame de Paris, pour la version anglaise. Il y a pire. Voilà. Donc, ma première grosse audition. Et donc, je vais donc dans ce studio de répétition où je passe l'audition et je rentre dans la pièce et puis le metteur en scène fait « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Alors déjà, j'étais gênée, en français. Et puis, ils se mettent à me parler en anglais, mais super mal. Et puis, ça dure comme ça 2, 3, 4, 5 minutes. Et au bout d'un moment, je leur dis « Mais vous savez, je peux parler français. » Et là, ils se regardaient genre mais t'as compris tout ce qu'on a dit là? Je dis oui, je suis française. Et en fait, le producteur m'a avoué plus tard qu'il ne m'aurait pas forcément pris s'il avait su que j'étais française, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait tous ces bis-bis avec la version française, version anglaise, et il ne voulait pas que le public asiatique, parce que c'est en tournée en Asie, puisse demander au chanteur de chanter en français. Il fallait clairement qu'il n'en soit pas capable. Donc voilà. Esmeralda? Oui, Esmeralda. Que ce rôle-là ou d'autres rôles aussi? Oui, non, le rôle d'Esmeralda. Et ça a été vraiment un grand bonheur. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais à Saint-Germain-en-Laye, j'étais dans ma voiture. Et j'avais donc un message de mon agent sur ma messagerie qui me disait que donc j'avais eu le rôle. Et j'avais passé l'audition, je crois, une semaine ou deux plus tôt. Ouais. Et j'ai hurlé dans ma voiture parce que c'était tellement... C'est la première comédie musicale que ma grand-mère m'a emmenée voir. D'accord. Donc c'était pour moi de passer du public à la scène, c'était magique. Je suis encore émue rien que d'y penser. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai fait. On est en quelle année là? C'était en 2011. Tu as vu la dernière mouture française? Oui, tout à fait. Oui, tu oui. En penses quoi? J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Je trouve que ce sont de formidables artistes. J'ai quelques amis, évidemment, dans le cast. J'ai beaucoup aimé Iba. J'ai beaucoup aimé Jay, qui est formidable. Non, très, très bon chanteur. Et puis, pareil, mon ami Angelo, qui est formidable. Donc, et la version première, je veux dire? Avec Garou. Pareil, formidable. Je m'en souviens très très bien. Je suis une grande fan de Julie Zenati, formidable chanteuse. Ouais. Tout à fait. Donc, très bon souvenir. Et si tu fais la comparaison entre les deux, entre la dernière mouture et celle-là? Il y a pas mal. Pour moi, il y a une grosse modernité qui a été ajoutée à la nouvelle version. Alors c'est très personnel, moi je préfère la version, la première version en termes de costume. Je trouve que la version actuelle est un peu trop moderne dans les costumes, mais c'est mon avis. Ensuite, il n'y a pas une énorme différence de mise en scène, il y a des petites choses dans les chorés. Bah oui, mais pour moi ça chante super. J'ai pas dit que ça chantait mal, mais quand tu vois un Garou par exemple avec sa voix. Mais alors est-ce que tu as déjà vu Angelo? Non. Ah voilà. Voilà. Quand tu verras Angelo, tu verras. C'est vrai? Ah oui, Angelo. On est dans le même genre de tessiture C'est un moi, franchement, c'est équivalent de Garou. Hein. Angelo est extrêmement bon. Et tu parlais de Julie Zenati. Ouais. C'est aussi bien. Alors pour moi, très honnêtement, Julie Zenati, elle est là, quoi. Je veux dire, Julie Zenati, c'est une chanteuse exceptionnelle qui travaille, qui a déjà, d'ailleurs, travaillé avec ma prof. Et vraiment, moi, je suis très admiratif de sa technique vocale, de son niveau. Même si Alizée était très très bien, Julie est juste
Voilà, exceptionnel. Mais tu es quand même, tu as quand même une grosse étiquette, c'est pas péjoratif, hein, non, une grosse étiquette comédie musicale. Oui, bien sûr. Ouais. Et je l'assume entièrement parce que, ouais. parce que en fait, j'adore faire des grosses scènes comme ça. Ouais. C'est enivrant, c'est magique, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'exigence. Et j'aime ça, j'aime l'exigence. Et j'ai vraiment, je garde de très bons souvenirs de tous ces projets et j'ai aucun problème à avoir incarné tous ces personnages parce que c'est sympa aussi de pouvoir se mettre dans la peau d'un personnage de temps en temps. Ta maman t'a accompagnée longtemps, depuis ton plus jeune âge jusqu'encore il n'y a pas si longtemps. Mm-hmm. Elle est toujours très présente dans Oui, ce ma mère, fais, ouais, ma mère est moins. Toujours présente, mais un peu moins, parce que bah, forcément, voilà, je n'ai plus, j'ai commencé à faire des concours de chant, je crois que j'avais 13 ans. Donc forcément, elle m'accompagnait en voiture, etc. Non, elle est toujours présente, elle vient toujours beaucoup me voir au concert, elle est là. Après, bah, voilà, quand on vieillit, après, bah, ça change un petit peu, mais elle est toujours très, très présente. Et elle m'a toujours vraiment beaucoup soutenue, beaucoup aidée. I'll make a brand new start of it. Que vous dire de plus sur Candice Paris ? À seulement 19 ans, Candice a tout d'une grande. Il faut dire qu'elle bosse dur, notre candidate Île-de-France Centre. Charme et efficacité, c'est Candice. Tes parents sont divorcés quand tu avais 6 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Ça s'est passé comment pour toi à ce moment-là ? C'était compliqué ? Ouais, donc ça a été... Ça t'a arraché le cœur et tu t'es dit... Honnêtement, je n'ai pas ce souvenir. D'accord. C'est assez flou. Ouais. Ce dont je me souviens, c'est que c'était pas facile. Mais voilà, encore une fois, je remercie mes parents d'avoir fait les choses de manière intelligente, dans le sens où ma mère nous a dit, on va se séparer parce que... je ne sais plus si elle nous avait cité des raisons, mais en disant qu'il valait mieux se séparer et bien s'entendre que de rester ensemble et de s'engueuler tout le temps. Et elle a entièrement raison. Ouais. Qui a envie, moi je parle pour moi, je n'ai pas envie d'avoir mes parents qui restent ensemble et qui se parlent comme du poisson pourri tous bien les sûr. Jours. C'est affreux, voilà. Ouais. Autant qu'ils se séparent et qu'ils s'entendent bien. Voilà. Et à l'heure actuelle, ils arrivent à garder un contact cordial. Oui, ils se parlent, il n'y a pas de cordial, problème. Sans problème. Et puis ma mère aussi, par exemple, a toujours été très intelligente, donc ils n'étaient pas mariés, donc ils sont séparés. Ouais. Ou par exemple, qu'à l'époque, quand j'étais petite et que je disais tel jour j'ai envie d'aller chez papa, ok, pas de problème. Il n'y a jamais eu de non, tu ne vas pas chez ton père, non, comme je vois comme certaines personnes se servent des enfants en otage. Non, c'est pas bien ça, c'est pas bien. On arrive à la période London School. Ouais. Donc là, on est en 2009. Oui. Ça se passe comment ? Ça dure combien de temps ? Alors la London School of Musical Theatre, alors il faut savoir que j'avais donc passé une audition l'année précédente et je n'avais malheureusement pas été prise parce que mon niveau en danse était trop faible. Ouais. Donc j'ai pris des cours de danse à raison de 3 à 4 fois par semaine pendant un an afin de repasser l'audition pour l'entrée à cette école l'année suivante. Où j'ai donc été prise. Et j'étais assez contente parce que je m'étais donné les moyens. Et ça a été une formidable aventure parce que c'était une année très concentrée. En général, les écoles de comédie musicale se déroulent sur 3 ans. Là, c'était sur 1 an. C'était vraiment une super formation, de super profs, des élèves et des profs très investis. J'ai énormément appris. Je me sers encore d'outils appris à l'école dans le travail aujourd'hui. Donc, vraiment aucun regret, bien au contraire. Est-ce que quand on fait ce genre d'école, on est attendu à la sortie ? Oui, on est attendu à la sortie. On vient dans te le chercher, sens où on te demande, tiens. On a 40 agents qui viennent nous voir. Carrément. Oui, qui viennent, on passe des auditions devant ces 40 agents. Sachant que moi, j'ai eu la chance, dès le troisième jour, en fait, d'avoir une offre par un agent que j'ai tout de suite prise. En fait, en général, ce qu'ils disent dans cette école, c'est si vous avez une offre, prenez-la, n'attendez pas de pouvoir choisir votre agent. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont avoir 1, 2, 3, 4, 5 propositions qui veulent attendre.
mais c'est rare, voilà. Et tout le monde ? Tout le monde passe la, tout le monde passe. On reçoit ce genre de demande. Oui, tout le monde passe l'audition. Ouais, on était donc 38 ou 39 dans mon année. Et non, alors pas tout le monde ne reçoit d'offres. Ok, voilà. Je te suis, sur les 38, je crois qu'on est, on doit être 32, donc c'est difficile c'est pour mal, ceux hein. qui. Ouais, c'est pas mal, c'est mais pas c'est mal. Très difficile pour ceux qui ne reçoivent pas d'offres. Ouais, c'est juste. Ouais. Alors, il y a la création de Ladies Country Angels. Oui, tout à fait. Dis-nous, c'est en 2016, ça. Alors, c'est un superbe projet. Donc, on s'est rencontrés avec Manuel Julvez parce qu'un ami nous a proposé de nous rencontrer. Je suis allée les voir à un concert dans... C'était où ? C'était en région parisienne. Énorme coup de cœur parce que Manu fait de l'Americana, qui est donc un mélange entre le blues, la country, la soul, enfin... J'ai absolument adoré son univers. Ouais. Et il m'avait très gentiment proposé de venir chanter deux titres avec eux sur scène. Ça a été un coup de cœur et humain et artistique. Et très très rapidement, avec lui et Jean-Michel Perrault, un autre ami guitariste, on a décidé de monter les LCA, The Ladies Country Angels. On a mis un petit moment à trouver le nom du groupe. Et puis finalement, ça s'est fait. Puis finalement, on était donc... on est passé de 6-7 sur scène à peu près. Et on a fait vraiment de très très belles scènes avec eux, notamment la première partie de ZZ Top à Valenciennes, d'ailleurs. Ça, j'ai vu ça. Ouais. Ça ouais. doit être impressionnant. Superbe expérience. On rencontre Cross Gibbons dans les loges. Ouais, et c'est tout. Ça. Ouais. Ouais. Il est sympa. Il est très gentil. Ouais. Très gentil, ouais. On a fait voilà, de très belles scènes. On a beaucoup fait donc, le festival de Craponne-sur-Arzon, qui est un des plus grands festivals de France. Je pense qu'il fait partie des plus grands même d'Europe, parce qu'ils reçoivent, par exemple, c'était Emilio Harris l'année dernière. Enfin, ah oui, pas mal. Oui, ils reçoivent de très très gros artistes country. Voilà, on a fait de très très belles scènes, donc toujours de très bons moments. C'est une formidable aventure. Et Manu m'a toujours fait confiance aussi dans l'écriture. Donc j'ai écrit 5 titres. Il a composé donc avec Jean-Michel et les autres. Et on focussait sur le travail d'harmonie vocale. Ouais. Donc, ça existe toujours ou pas ? Alors malheureusement, ils habitent tous dans le sud. Ouais, c'est ouais. pas toujours évident. Donc ça perdure un petit peu, mais on n'est pas sûr de pouvoir faire tenir. Parce que bah, voilà, moi c'est mon métier à H24 et bah, il faut que je travaille. Donc voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça vivra toujours dans nos cœurs. Est-ce que tu pourrais dire, avec tout ce que tu viens de raconter, est-ce que tu pourrais dire que... Ça te permet de bien vivre ? Ça te permet de vivre normalement ? Est-ce que c'est difficile ? Alors, je pense que ça dépend des périodes. C'est-à-dire, en comédie musicale, il faut être très honnête, ça a énormément changé. Ça a commencé très très haut et en fait, d'année en année, ça baisse. C'est D'accord. clair et net. Okay. Et puis moi, il faut savoir que je ne me suffis pas à un seul domaine. Je m'ennuie vite à juste faire un seul truc. Alors, juste dans le boulot ou globalement non, parlant dans le travail. Non, dans le travail. Après, pour le reste Après, si, dans la vie, dans les activités, mais c'est pas trop de l'ennui, c'est que je suis curieuse, en fait. Ouais. Mais si je... Dans l'amour, par exemple. Non, je suis très, très fidèle en amour. Non, mais je parle pas d'infidélité. Ouais, mais justement. Entendons-nous bien. Ouais, mais justement. Ouais. Du coup, non, j'ai pas besoin de diversité, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais. Je m'ennuie pas. Mais tu peux, par exemple, t'ennuyer, oui. ne pas tromper, mais simplement mettre fin, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et mais dire, voilà, là, j'ai fait le tour. Non, je pense que j'ai... Ce serait pas honnête de rester, par exemple. Oui, oui. Par contre, je le fais. Ça, je l'ai déjà fait. Tu te prends en longueur et tu... Non. Tu dis les choses clairement ?
Oui, de plus en plus. Ouais. Je vois ça dans le regard. Ouais, parce que on perd du temps, on fait souffrir les gens. Mmh. J'ai pas envie de leur mentir. Mmh. J'ai quand même globalement eu la chance de tomber sur des gens bien. Après, malheureusement, on n'est pas toujours en phase. Et ça te pose pas un problème de faire de la peine à l'autre à un moment, quand toi tu sais que c'est fini mais que l'autre t'aime toujours? C'est la vie, ça. Et justement, il vaut mieux s'en aller quand la personne est encore amoureuse et que toi non, plutôt que de faire semblant et de rester avec parce que la personne est géniale. Et alors justement, j'ai un ex à toi au téléphone, on va lui poser la question. Je présente. C'est quand même un événement dingue, hein, c'est The Voice. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu es casté par des gens Donc c'est Bruno Berberès qui m'a appelé. C'est un des plus gros casteurs de France. Hein, donc voilà. Donc Bruno qui m'appelle et qui m'avait appelé pour la première émission. La toute première. The Voice. Et j'étais pas forcément intéressée, je savais pas trop. Bon voilà, on m'a vu, bon tout ça. Et puis après les années suivantes, j'ai dit. Mais t'y es allée ou pas? Ouais, j'y suis allée. Ouais. Puis j'étais pas trop, voilà. D'accord. Et en fait, les années qu'on suivit, enfin, j'ai pas passé les castings. On en a discuté. Et puis donc voilà. Et puis les années suivantes, ils pensaient que je voulais pas, donc ils m'appelaient pas. Et puis en fait, un jour, je me suis dit j'ai rien à perdre, ça peut être intéressant parce que j'avais un peu envie de sortir de l'image comédie musicale. Ouais, je comprends. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'ai pas du tout regretté. De toute façon, je pars du principe que si on accepte de faire des choses, on regrette pas, on y va. C'est vraiment envie de le faire. Voilà. Ouais. Et c'était vraiment super. C'était une très bonne expérience. Ça m'a permis aussi d'en voir plus sur le côté, sur le monde de la télé, sur le côté coulisses. Pas déçu? Non, pas trop déçu. Je pense que j'ai plus découvert des aspects humains qui m'ont plus fait sourire, en fait, parce qu'en fait, j'ai vieilli. Donc, du coup, j'ai l'impression que vraiment, il y a des gens qui se prennent vraiment la tête pour pas grand-chose. Mmh. Et ça m'a fait sourire. Mais non, ça m'a pas déçu, parce que ça sert à quoi d'être déçu, en fait, quoi. Faut pas être... Mais quand on est déçu, ça sert pas toujours. C'est juste un sentiment spontané que tu vois. Bien sûr. Non, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai vu, ça ne m'a pas desservi. Ça ne m'a absolument pas desservi. Je me serais plantée en direct. Ça aurait été une catastrophe parce que j'ai vu, c'est pas le cas du tout. Merci. C'est Ozier, c'est ça? C'était oui, exactement. Ouais, exactement. Take me to church. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I could have worshipped her sooner. I was born sick, but I love it. Command me to be well. C'est vrai que là, c'était quand même assez balèze. Moi, j'ai senti vraiment une différence de... Enfin, j'ai repassé un peu en vue les différentes années. Et là, on sent que t'es quand même... Enfin, je passe pas la pommade, mais t'es quand même au top au niveau vocal pour cette chanson. Tu te la réappropries totalement, je trouve. Oui. Alors, pour cette version, justement, c'est vrai que donc moi, je suis assez fan du groupe Postmodern Jukebox. Ouais. Et c'était une version que j'avais entendue qui avait été reprise par Morgan James. Ouais. Et j'avais absolument adoré cette version. Il y en a trois qui sont retournées. Ouais, exactement. Il y a que Zazie qui s'est pas retournée. Voilà. J'ai eu Florent, Matt et Mika. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, j'ai interviewé Florent une dizaine de fois. Mm-hmm. Tu vois dans son regard le moment donné où ça capte. Oui. Il se retourne et puis à un moment donné, tu montes un peu. Voilà. Et ils se disent entre eux, tu vas voir, là, elle va monter. Mm. À ce moment-là, tu montes. Oui. C'est Zazie qui dit ça d'ailleurs, quelques secondes après. Et là, tu vois Pani qui... et qui se dit wow. Et ça, juste avant de buzzer, il a cette tête aussi. Je crois que Florent aime attendre de voir le max de capacité vocale avant de se retourner. On a capté qu'il faisait ça. Et pourquoi ça s'est pas retourné?
Je ne sais pas, peut-être que je ne correspond pas à ses attentes vocales. Je pense que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu, ce qu'elle, enfin, en tout cas dans les voix féminines, elle aime les voix un peu plus douces, un petit peu plus... Elle n'aime pas les voix fortes comme ça. Non, je n'ai pas trop l'impression. Non, je ne pense pas trop que ce soit son créneau. Donc, voilà. Derrière, quand tu fais ton choix d'aller dans l'équipe de Florent, tu te doutais que tu ferais ce choix-là avant déjà ? C'était décidé avant. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que je pense que c'est celui qui a été le plus à même de répondre à ma demande artistique et au travail. Ouais. J'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation avec Matt, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet artiste que certaines personnes peuvent avoir tendance à critiquer, mais c'est quand même un super bosseur. Je veux dire, il est là aujourd'hui, il se donne les moyens, il bosse comme un dingue. Donc on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas critiquer son travail. Ouais, donc voilà. Donc j'ai eu un petit moment d'hésitation parce que il y a aussi la modernité aussi de l'artiste qui était intéressante. J'ai eu nombre de messages en me disant heureusement que t'as pas choisi Matt. Bah non, je suis pas d'accord. Je veux dire, c'est chacun son travail. Je sais, on avait une conversation off là-dessus et tu m'avais déjà tenu. Voilà. Donc, est-ce que The Voice t'a fait avancer dans Je pense que The Voice m'a fait avancer dans ma perception des choses au niveau télévisuel. Après, dans le travail. Je ne sais pas, je dirais pas forcément. J'ai eu des contacts, j'ai eu des gens voilà qui ont voulu travailler avec moi de par cette émission pour des shows, pour des lives, pour des trucs, c'est très bien. Donc ça t'a ouvert un peu des portes quand même. Ça m'a ouvert quelques portes, mais pas 50 000 parce que j'avais déjà pas mal de contacts, donc voilà. J'ai vu aussi dans une interview où tu faisais du caritatif. Oui. C'était audition de solidarité. Tout à fait. Est-ce que le fait que ça soit dans ce domaine-là précisément, ça signifie quelque chose pour toi ? Oui, ça signifie beaucoup. Alors, c'est mon ami Olivier Decrouille, qui est un ami et également un excellent pianiste, qui m'a proposé en fait de venir chanter avec lui pour un événement justement pour les... je ne sais plus quelle année d'audition solidarité. Et je lui ai dit oui, avec plaisir. Et j'ai tellement flashé, en fait, sur les fondatrices qui sont absolument exceptionnelles. Tu avais l'air très touchée, non ? Ouais, je suis très touchée parce qu'en fait, quand on voit la vidéo et quand on se rend compte ce que ça fait de voir des gens qui n'ont jamais entendu, des enfants, des adultes, des personnes âgées qui n'ont jamais entendu, on les appareille et qui se mettent à entendre, c'est extrêmement émouvant. On ne peut pas ne pas pleurer devant cette vidéo, ce n'est pas possible. Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Ah, c'est absolument dingue et j'ai justement la chance donc depuis 2015 que donc l'une des fondatrices, Carole, m'ait appelée. Et pareil, je m'en souviens comme c'était hier, j'étais sur la route et elle m'a appelée pour me demander de devenir ambassadrice. Je m'étais mise sur le côté pour écouter ce qu'elle avait à me dire et j'ai pleuré quoi parce que j'étais hyper fière et hyper touchée en fait. C'est tellement dingue, je veux dire on a quand même beaucoup de chance donc de pouvoir contribuer un minimum en étant ambassadrice et juste en faisant passer le message que l'audition est importante, qu'il faut prendre soin de ses oreilles, c'est indispensable. Si tu dois te définir en quelques mots, tu dirais quoi ? C'est quelques difficile, mots, hein. Ouais. En quelques mots, exigeante, ça c'est sûr. T'es quel signe astro ? Je suis Lion. Oui, ouais, voilà, je suis Lion. Exigeante, curieuse, gourmande. Ça se voit moins que chez moi, mais. Oh là là, c'est pas grave. Parce que je fais beaucoup trop sport. passionnée et sincère. Tu as des modèles en musique ? J'ai des modèles, ouais. J'ai des gens que j'apprécie beaucoup. Je suis très admirative de Lara Fabian, que j'aime énormément. J'aime beaucoup Michael Bublé. Je te coupe, mais tu parles de la personne.
où tu parles de la chanteuse, de sa technique vocale, de la chanteuse. Voilà, là je parle des chanteurs. D'accord. Voilà. Okay. Michael Bublé, que j'aime beaucoup. C'est terrible ça. Ah, qui me fait rêver. Tu l'as vu en concert ? Non. J'en rêve, je rêverais de chanter avec lui et je rêverais de le voir en concert. Voilà. Ouais. Je suis une grande fan de Tom Jones, qui est une bête de scène. Voilà, j'ai malheureusement pas été à ses concerts parce que c'était complet. Voilà, j'aurais adoré. Je suis aussi une grande fan d'Elvis Presley. Mm-hmm. J'ai toujours adoré. J'ai même pendant un moment beaucoup travaillé dans le milieu 50s. J'adorais ça. Super, ou elle, super intéressant, mais ça se bouscule dans la tête parce qu'il est très complexe dans sa façon d'être, dans... ou pas, s'il n'y a personne, il n'y a personne. Non, peut-être pas. Je sais que j'ai eu la chance de travailler avec Natacha Saint-Pierre sur Le Magicien d'Oz. Mm-hmm. Et j'ai vraiment appris à découvrir Natacha, qui est déjà vraiment une personne justement qui a été formée à l'américaine et qui a cette exigence. Formidable chanteuse, formidable. Et je pense que justement elle a donc cette exigence dans plein de domaines, et que en plus, si je ne me trompe pas, il me semble que Natacha est Gémeaux, et donc elle a quand même des choses où des fois il faut bien la suivre parce qu'elle a ses exigences dans plein de domaines. Donc ouais, je pense qu'elle a une personnalité un peu complexe, mais c'est encore une fois, oui, c'est pas péjoratif du tout. Tu as le temps de lire encore un peu ou pas du tout? J'adore lire, ouais. Alors un petit peu moins parce que quand on a des dizaines de textes de chansons à apprendre, des fois on fait une pause. Ouais. Voilà, mais oui, j'aime beaucoup. Un livre à nous recommander? Un livre à vous recommander, par exemple, un livre qui date, mais Le Monde de Sophie. Ouais. Voilà, en deux mots, c'est quoi? C'est un livre un peu philosophique qui apprend justement à grandir. C'est assez intéressant. Et alors, il y a un truc que j'ai remarqué chez toi. Ça fait quelques jours que je regarde plein de vidéos, que je t'écoute, que je t'observe, etc. Et ce qui est marrant, et je le ressens encore aujourd'hui, c'est pour ça que je t'en parle maintenant, il y a chez toi quelque chose d'enfantin. D'accord. Qui reste. Que ça soit le sourire, le regard, quand tu parles de gens que tu aimes, comme ton amoureux tout à l'heure, ton frère, quand tu en parlais. Et là, on dirait qu'il y a une petite fille qui parle. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que c'est resté? Ouais, je le ressens parce que quand je parle des gens que j'aime, je suis très touchée, je suis émue et et c'est sincère. On ment pas sur les gens qu'on aime en fait. Tout à fait. Et même là d'en parler, ça me touche. Donc, ouais. La belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On s'en lasse, on est triste et on traîne. J'ai vu que tu avais pas mal de succès en Suisse aussi. Alors en Suisse. Tu as reçu des prix d'ailleurs là-bas, plusieurs années. Ah non, à Megève. Oui. Non, c'est pas en Suisse, c'est en France. Mais là, tu as reçu deux, trois fois. Oui, avec justement, donc on a fait le festival de jazz de Megève avec Rive droite, rive gauche. C'est pour moi. Et on a eu, non, il n'y a pas de si. Et on a fait donc à quatre reprises. Ouais. On a eu la première année le prix du public. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on a toujours été dans les finalistes. Ouais. Et ça, c'était vraiment absolument formidable. Et j'ai une anecdote que je retiendrai toujours. Ouais. On était. C'était. Je crois, dans la première année, on a fait une jam. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance donc de revenir chanter, la seule chanteuse avec les 40 musiciens des différents orchestres. Ouais. C'était magique. Magique. Sur la scène du Palais des Congrès de Megève, c'était... The good life, full of fun, seems to be the ideal. Yeah. A good life,
Mais non, pour l'instant, je n'ai pas encore pensé à d'autres pays. J'ai pensé à d'autres villes en France. C'est-à-dire, si je n'habitais pas à Paris, je rêverais d'habiter à Bordeaux. Je suis fan de cette ville. C'est vrai. Pour le vin, quoi, non ? Pour le vin, mais surtout parce qu'il y a un côté un peu parisien sans l'être, dans le sens où on sent le côté ville et c'est proche de l'océan, c'est proche de l'Espagne. J'ai des origines espagnoles. Mmh. J'adore le surf, j'adore plein de trucs. Donc voilà, il y a plein de liens. Tu fais quoi comme sport ? Parce que tu disais que tu t'entretenais bien. Tu Alors, je fais donc, comme il faut que je fasse attention, je fais beaucoup de fitness, de salles de sport, machin. Et j'ai fait beaucoup d'équitation. Moi, j'ai choisi entre le champ et l'équitation. J'ai fait les championnats de France à l'époque. Donc, j'en ai fait jusqu'à mes 17 ans à peu près, 17-18 ans à peu près d'équitation. Donc, j'adorais ça. Et je fais du surf, je fais ponctuellement, je fais du roller, de la natation. Je fais j'essaie plein de trucs, j'adore. Mais alors, sans remuer des souvenirs peut-être douloureux, tu me disais tout à l'heure que tu avais perdu 25 kilos, c'est ça. C'était quelle période de ta vie où tu as pris du poids? Alors, j'ai commencé à prendre du poids dès l'âge de 6 ans, en fait, du moment où mes parents sont séparés. Voilà, et puis j'ai compensation, un peu. Compensation, compensation. Et puis en fait, un jour, je me suis vue sur une vidéo en train de chanter. Ouais. C'est pas possible. Et donc, j'ai commencé un régime à l'âge de 16 ans passé, je crois. Ouais. Et j'ai rencontré quelqu'un à cette époque où ça m'a aidé aussi. Quand on se sent bien, on perd plus vite. Voilà, mais je suis allée chez une nutritionniste. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à faire du sport en salle parce que j'étais obligée, quoi. Ça t'a semblé difficile à ce moment-là? Ma mère m'a beaucoup aidée hein, parce qu'il fallait faire des menus avec peser les aliments, les trucs. Enfin, là, si elle n'avait pas été là, Est-ce qu'il y a un préjugé qu'on a souvent sur toi ? Oui, que je suis prétentieuse et hautaine. Alors que... je crois que c'est dans l'attitude. On disait beaucoup ça à ma grand-mère, à ma mère. Donc non, c'est juste que je présente bien et du coup je fais attention quand je suis en représentation. Mais il faut juste que les gens soient un minimum intelligents et se disent que du moment où on parle et on échange, que la glace est brisée et que c'est peut-être une idée reçue, quoi. C'est quoi toi la définition du bonheur? La définition du bonheur pour moi, c'est de se sentir bien avec soi-même, de se sentir bien avec son entourage, sa famille, ses amis, et surtout de se sentir bien dans ses pompes par rapport à sa passion, à son métier, à tout ce qui nous fait vivre, en fait. C'est indispensable. Je pense que j'ai choisi mon métier, moi, choisi peut-être, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me rend heureuse au moins à 95%. Alors, je vais pas te faire chanter ici dans l'atrium dans lequel nous sommes. Nous sommes à l'hôtel. Oui, au Royal Eno. Merci, à Valenciennes. Oui. On les remercie d'ailleurs de nous accueillir. Oui, merci beaucoup. Et si maintenant tu dois, comme cette interview est filmée, tu dois faire une déclaration. On va voir à qui veux-tu faire une déclaration maintenant et lui dire quoi? Je pense que c'est assez évident. Je pense que je vais faire une déclaration à ma mère. Ouais, donc la caméra est là. D'accord. Alors, je m'adresse à elle. Ouais, tu t'adresses à elle. Donc, maman, je suis super émue, c'est horrible. Donc, donc je voudrais te remercier de m'avoir toujours soutenue par rapport à ce métier et de toujours croire en moi et de toujours m'aider dans quelle situation que ce soit. Est-ce que tu as menti depuis le début de cette interview ? Non. Pas du tout ? Non. Et j'ai une dernière question sur l'amour, et puis je ferai vite un petit questionnaire marrant. Ouais. Un tue-l'amour. Un tue-l'amour ? Ouais. J'ai un ami l'autre jour qui m'a dit « péter au lit, c'est un tue-l'amour ». la mauvaise haleine. Ah ouais, c'est horrible, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Bon alors, je vais juste commencer des phrases pour terminer. Je vais juste te demander de les terminer. Oui. Brièvement. Je me décris comme quelqu'un de... passionné.
la musique m'a changé parce que... C'est magique. Lorsque je ne fais pas de musique, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mon plus gros vice. La gourmandise. La dernière fois que j'ai pleuré. Il y a quelques secondes. Mon bien le plus précieux. Les gens que j'aime. Est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein ? À moitié plein. Donc tu es une optimiste en fait. Oui, et je travaille à cet optimisme. J'imagine. Lorsque nous mourrons, termine la phrase. D'accord. Les autres vivront. Tu viens de la terminer. Et enfin, le dernier, mon plus grand regret. Je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Je n'en ai pas. Candice, c'était un plaisir de t'avoir rencontré et d'avoir gratté un petit peu plus sur ta personnalité. Merci beaucoup. Bon vent à toi. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Merci.